Alors qu'a débuté la saison des résultats, le CAC 40 est stable ce matin et reste au-dessus des 5 400 points. On commence ce point avec HSBC qui passe à l'achat sur Michelin avec un objectif de cours de 125 euros. Également dans l'actualité ce matin, la trésorerie de Nicox a atteint 32,6 millions d'euros au 31 mars dernier. Enfin, le Conseil national de recherche du Canada et Airbus ont renouvelé leur accord cadre de coopération en matière de recherche et technologie. Ce nouvel accord, d'une durée de 5 ans, s'appuie sur une longue relation qui unit les deux entreprises depuis plus de 30 ans. Focus ce matin sur Casino qui réalise un deuxième trimestre meilleur qu'attendu par le marché avec un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d'euros en recul de 3% dont 7,6% d'effet de change défavorable. En organique, la croissance ressort à 5,2% alors qu'elle atteint 3,2% en comparable. En France, les ventes comparables enregistrent une croissance de 1,8%. Avec des ventes alimentaires en hausse de 2,5% qui bénéficient d'un trafic en progression de 0,7%. Le groupe confirme d'ores et déjà l'ensemble de ses objectifs annuels. Je vous souhaite une très bonne matinée et vous donne rendez-vous à midi pour le prochain flash.